Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym pour cette troisième vidéo consacrée à mon passé de policier à la DGSI. Pour ceux qui n'auraient pas vu d'ailleurs les deux vidéos précédentes, je vous invite vivement à aller les visionner pour avoir un complément d'informations. À titre de bref rappel, j'ai eu l'immense honneur de faire partie des premiers opérateurs du GAO, le GAO, le groupe d'intervention de la DST, DST qui est devenu par la suite DCRI et qui est l'actuel DGSI. Le service qui s'occupe de l'antiterrorisme et du contre-espionnage français. Et pour répondre à vos questions, j'ai l'immense honneur d'être en compagnie de mon ami et collaborateur Félix Zirini. Bonsoir. Félix, merci infiniment d'être là. Merci à toi de m'accueillir. Félix, je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonsoir. Donc, je m'appelle Félix Zirini et je suis le créateur et le fondateur de la société Inici. Donc, en fait, on crée des applications pour les professionnels du sport et de la nutrition, mais aussi pour les forces de l'ordre. Voilà, et je te remercie encore de m'accueillir ce soir ici. Plaisir partagé, mon ami. Bah écoute, sans plus attendre, on va commencer de suite cette première question. Qu'est-ce qui différencie le GAO des autres groupes d'intervention français? Alors c'est une bonne question parce que généralement, il y a un amalgame qui est fait. J'ai eu le droit à Enzo GIGN, Enzo RED. Alors ce qui différencie principalement le GAO des autres groupes d'intervention, tels les GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, le RED, recherche, assistance, intervention, dissuasion, ou le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, c'est la nature de nos missions. Nous intervenions uniquement dans le cadre de l'antiterrorisme. C'est-à-dire que notre mission consistait principalement à appréhender toute personne menant une entreprise terroriste sur le sol français ou alors soutenant cette dite entreprise, soit par un apport financier ou alors un appui logistique via du matériel. Et dans une moindre mesure, également tout ce qui était lié à l'ingérence étrangère, c'est-à-dire le contre-espionnage français. Alors que les autres groupes d'intervention, comme les GIPN, le RED ou le GIGN, bien sûr, interviennent également dans le cadre de l'antiterrorisme, mais ont également comme vocation et comme compétence que nous n'avions pas, la gestion de crise comme par exemple des forcenés retranchés ou alors des prises d'otages. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent pour ça, chose que nous ne faisions pas. Et force est de constater qu'ils le font excellemment bien. Deuxième question, peux-tu nous décrire une journée type d'un opérateur du GAO? Alors, une journée type, alors le matin, j'étais généralement dédié à tout ce qui était pratique sportive. Donc tu comprendras bien les sports de combat qui étaient omniprésents, qu'on effectuait généralement dans un dojo. Donc en sport de combat, le Krav Maga, qui est un art martial qui est très répandu et très utilisé parmi tous les groupes d'intervention du monde entier. Le judo, pour gérer tout ce qui était corps à corps, mais également le noble art, la boxe anglaise, dont je suis ancien pratiquant. Et tous ces entraînements étaient dirigés soit par des experts du pool formation, ou alors par des opérateurs du GAO qui étaient des véritables spécialistes dans leur domaine. Et à ce titre, je tiens à faire une petite dédicace à toi, Corbeau, à Brian et à Thierry, qui m'ont fait vivre des sacrés moments de solitude sur le tatami. Mais encore une fois, c'était dans le but de nous rendre meilleurs, le groupe. Donc les gars, merci à vous, vous êtes des vrais monstres. On travaillait également le foncier, soit par des sorties collectives de course à Vincennes, ou alors en piscine. Et bien sûr, de la musculation, on n'écoute pas court, soit de la musculation fonctionnelle, ou alors de l'hypertrophie, parce qu'il faut quand même le supporter et le soulever le matériel. Donc voilà pour ce qui est du côté sportif. D'accord. L'après-midi, par contre, on était plus sur le côté opérationnel de notre fonction. Donc on travaillait tout ce qui était simulation tactique, soit en CQB, le Close Quarter Battlegrounds, qui est une forme une sorte de pseudo-labyrinthe, soit modulable ou figé, pour vraiment orchestrer nos pénétrations, l'investissement de certains lieux. On le faisait aussi dans une ville, dans une petite ville qui était désaffectée, ou alors dans un fort qui nous était alloué. On y travaillait tout ce qui était méthode de progression, en assurant bien sûr tous les angles de couverture. Et ça, c'est un sacré métier. Toutes les formes d'effraction possibles, de faire en sorte que l'effraction se fasse le plus rapidement possible, aussi bien au bélier, au fusil à pompe ou au door rider, en fonction de la porte, de la nature de la porte à laquelle on faisait face. Et les collègues, ça donnait également à la descente en rappel. Il y a certains collègues qui descendaient à la tête en premier. Et ceci afin de pallier véritablement à toutes les configurations d'intervention possible. Et enfin, le tir, on n'y coupe pas, le tir qu'on effectuait dans une base qui nous était allouée, ou alors en stand de tir, du tir de précision, mais également du tir en situation opérationnelle. Et ceci avec toutes les armes dont le groupe était doté. Donc on avait de l'arme de poing avec le Glock 17, pistolet mitrailleur avec du HK MP5, le fusil d'assaut avec du HK G36 ou alors du SIG 5.52 en 5.56 mm. Du fusil à pompe, mais également du tir de haute précision. Sacré arsenal. Sacré arsenal. Et une fois, et ça c'était le côté entraînement, et bien sûr, lors des jours d'intervention, on allait le plus vite possible à la base, on s'équipait. Ensuite, on allait dans la salle de réunion du GAO pour un bref briefing, un dispatching
des effectifs et on allait intervenir. Et par curiosité, combien de fois tu es intervenu? Ça, malheureusement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, là, je suis désolé. D'accord. Je te comprends, il y a pas de souci. Enzo, troisième question. Ouais. Quel était le type d'entraînement que tu préférais et celui que tu aimais le moins? Le type d'entraînement que je préférais? Il y a pas mal de choses que j'aimais. Ah, je vais dire le tir. Ouais. Tirer avec une arme, c'est un côté, bon, attention, on n'aime pas, hein, mais c'est un côté très grisant, très exaltant. En plus, on tirait un nombre de cartouches incommensurable, hein, chaque semaine. Donc, ce qui fait que te voir évoluer, te voir progresser à vitesse grand V, bah, ça renforce ce côté très grisant. Donc, ouais, je dirais le tir. D'accord. Et pour ce que j'aimais le moins. Ouais, pour le moins. Ouais, je dirais le parcours du combattant. Parcours du combattant qu'on effectuait dans le fort qui nous était loué, équipé du gilet pare-balles lourd, et qui avait pour unique fonction, de simuler un état de stress en provoquant une élévation du rythme cardiaque. C'est-à-dire qu'on effectuait un tour du parcours du combattant. Ouais. À l'issue de quoi, nous allions sur le pas de tir, on tirait, et cet exercice avait pour but, justement, de jauger ta lucidité, la précision de ton tir, mais également la qualité et la vitesse des manipulations techniques du matériel, soit pour un rechargement tactique, ou alors pour un incident tir. Ça peut arriver. Et tout ceci dans une configuration proche de celle provoquée par le stress. Donc voilà, je dirais le parcours du combattant. C'était d'ailleurs un exercice qui n'était pas, on va dire que c'était pas le plus plébiscité, hein, parmi tous les opérateurs du groupe, mais il participait à nous rendre meilleurs. Il participait à rendre meilleur le groupe. Donc que tu aimes ou que tu aimes pas, tu le fais. Et tu le fais le mieux possible. Te souviens-tu du moment où on t'a annoncé ton intégration au sein du GAO? Et c'est le propre de ce moment mémorable que j'appelle les moments d'une vie. Donc je venais de finir les tests. Et on nous avait annoncé qu'on serait contacté dans un délai de 2 semaines, aussi bien dans le cadre d'une réponse positive que dans une réponse négative. Donc j'avais pris 2-3 jours de congé sans faire de sport parce que j'étais complètement HS. À la suite de quoi, j'ai voulu me mettre un peu au vert, aller respirer l'air de la campagne. Donc je suis parti en province chez mes parents. Et pour éviter de cogiter, de stresser, bah j'ai continué chez mes parents à m'entraîner comme si je me préparais pour les tests. Et un jour, je rentre de l'entraînement. Je me souviens, ma mère regardait la télé dans le salon et mon téléphone sonne. Je décroche, allô. Et là, j'entends une voix très protocolaire. Oui, bonjour, monsieur Foucra, lieutenant D, hein, de la cellule formation de la DSC, chargé du recrutement des opérateurs, hein, du GAO. Là, le cœur commence à s'emballer, qui bat la chamade. Et le temps, c'est durant quelques secondes, c'est figé. Une fameuse relativité. Et je me rappelle m'être fait cette réflexion. On y est. Ça y est, j'y suis. Ce moment que j'attendais depuis tant de temps est arrivé. Et là, il me dit, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour intégrer le groupe d'appui opérationnel. Ah, c'est... Donc, le premier réflexe, ouais. C'est de te contenir, tu vois. Ouais, je te contiens, sûr. Tu... Je me rappelle l'avoir remercié, je sais pas moi, 10-15 fois en lui disant que je donnerais mon maximum, qu'ils regretteront pas leur choix et tout. Donc il m'a dit que j'allais être contacté pour être convoqué au sein de la DST. Et à l'issue de quoi j'ai raccroché. Et là j'ai lâché la pression et je me suis mis à pleurer. Et tu sais pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'ai repensé à chaque jour où je me suis entraîné, à chaque jour où je suis allé courir, qui vente, qui neige, qui pleuve, à chaque séance que j'ai faite, à tous ces efforts que j'ai fournis pour vivre ce moment. À tout ce à quoi j'ai dû faire l'impasse, sur quoi j'ai dû faire l'impasse, les sorties avec les potes, les petits plaisirs de la vie, pour vivre ce moment. À tous ces moments de doute, parce qu'on doute, que j'ai dû surmonter pour vivre ce moment. Et j'avais réussi. Tu sais, au XXIe siècle, il y a des logiques qui explosent, il n'y a plus rien de logique. Mais s'il y a bien une logique universelle qui traverse le temps, c'est que le travail paye. Et le travail a payé. Et tu as intégré le groupe tout de suite? Alors non. C'est en fait, une fois que j'ai été convoqué, avant de pouvoir porter avec fierté la cagoule, tu dois obtenir ton accréditation secret défense. De par la nature... sensible, hein, des documents qui vont être portés à tes yeux. Lorsque tu rentres à la DGSI, tu dois avoir cette accréditation secret défense qui est obtenue après une grosse enquête de moralité. Enquête de moralité qui est effectuée par des agents de la DST sous forme d'audition. D'ailleurs, j'ai été auditionné
par des collègues qui connaissaient ma vie mieux que moi, hein, et également mon entourage proche, en l'occurrence mes parents. Donc voilà, la DGSI ne laisse rien au hasard, et puis bah c'est tout à son honneur.